Et voilà, premier parc du trip des Luna Park avec Magic Land Park et le petit plus 3 avec un premier coaster que vous voyez là-bas. Voilà, donc on va rentrer donc dans le parc. Je suis accompagné de Benji et de Clément et on va rider un peu aujourd'hui avant d'aller vers, et bien vers Antibland ce soir et le Luna Park de Cannes. On peut choper encore des crédits comme toujours. Et ben là, on va découvrir ce petit parc qui est un peu un des parcs phares de la région, n'est-ce pas, avec le parc Spirou et Hockey Coral, puisqu'on va faire le triptyque pendant ces 3 jours, avec aussi des Luna Park et la plage aussi, évidemment. Et regardez, on a un Uli Gulli là-bas aussi. Donc vous avez un petit coaster familial là-bas. Vous avez ce coaster-là et vous avez un spinning derrière. Voilà, il y a 3 coasters. L'entrée est à 15 euros, pour ceux qui voudraient savoir, voilà. Et on va se diriger vers l'entrée, justement, pour rentrer dans le parc. Et voilà, on commence par le Shark Trip, un petit plus 1, regardez. On ride. Allez, c'est parti, le Shark Trip on ride. Lol, 253e coaster. Ouais, 253 pour moi. Ah, mais je commence à avoir un gros coaster quand même. Avec que des hélices. Bah, l'air de rien, j'étais pour te bien vers la droite. Ouais. C'est Gelatero The Ride. Là, tu te demandes si tu vas arriver à monter tout en haut. Avec des roues de friction qui aident bien le train pour pouvoir le grimper, quoi. C'est ça. Ouais. Et heureusement qu'elles sont là, ouais. Oh non, je pense. J'espère pas, parce que vu comment est placée la barre. À côté, je le fais qu'une fois et après je passe ma vie sur le RMC. Tu sais, je me disais j'allais faire le stand de tir, mais je crois que c'est payant. Allez, c'est payant, allez. Hop, t'es l'écran marche plus. Mais par contre, il a déjà un tir sec et violent et il a des transitions pourries. C'est gratuit, je le fais, ouais. Si le stand de tir est gratuit, je le fais. Mais... Oh. Ça va repartir en arrière. C'est quoi ? Ah, je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini. Hein. J'ai pas vu, ouais. On voyait pas, en fait. On a donc fait ce coaster qui est pas une purge, en fait. Ça va, hein, pour un kiddie. Et finalement, on m'avait dit que les coasters ici étaient pourris, mais c'est pas encore le cas. Ça va. Enfin, celui-là, en tout cas, il est pas pourri, hein, ça va. Ah, quand même. Disons qu'il y a mieux comme familial, mais ça passe. Oui, oui. Et là, regardez, il y a un rainbow. Et un Uli Gulli, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Allez, c'est parti, le rainbow on ride. C'est haut quand même les doigts. Putain, c'est haut. Oh, regarde la tour là-bas. Je pourrais faire la tour à l'étoile en grand vrai. Oh putain, ça va vite ce truc. Ça va, on va. Tu vois, on est décalé gauche-droite. Ou pas? Ah non, pas déjà, mais. Ça va? Ouais! Ah ouais, il demande. Allez, on s'accroche! Elle a pas de micro! Avec l'accent du sud, hein! Et la tour, elle est pas haute en fait. Oui, parce qu'en plus, elle est pas haute parce que t'es en hauteur déjà là-bas. Et le cadre est marrant, tu pars. Regarde le frisbee là-bas. Oh! T'as vu le frisbee? Ouais, mais... Non, c'est bien, c'est familial en fait. Il y a le bateau aussi à
sûr que je vais partir. Pareil, moi il m'a dépouillé sur la droite. Après, bon. Ouais, voilà. J'arrête avec lui maintenant. Allez, c'est parti, le jukebox on arrive. Ah, tu me rends plus tard, téléphone. J'aime bien ces petits métiers fun qu'on fait. Ouais. Il en marche arrière ou pas celui-là? Je crois. Oh, il pousse. Ouais, ça pousse. Ouah. Il m'écrase, mon gars. Oh. Il m'écrase. Ah, ça va vite. Ah, peut-être il se lève là. Putain. Oh putain. Mal au côte. Ça va nous faire comme le. Mal au côte là. Ça c'est bon. Ça va. Putain, le mal au côte. Pas le droit de courbature, je ne recevrai pas le Covid ce soir. Putain, mais c'est le plus guili le plus puissant que j'ai fait. Hey, mais c'est. Oh putain, on se met. J'ai que celui-là, après, je vais même pas côté de quelqu'un. Oh putain. C'est bon, on a mieux là. Oh, bon. Ouh. Ah, il aurait fallu refaire ça dès le début. Ah voilà. Je respire, mon gars là. Et en fait, j'ai de la chance pour mon premier Rainbow, le premier guili. Ouais. Comme le. C'est vrai, il faut conduire derrière. Hein. Parce que là, ça m'écrase. J'ai 2 heures à faire. Oui, il va pousser là. Oh. C'est pas toi qui écrasais, c'est moi là. Oh putain. En plus, au final, il fait un âne, non? De quoi? Mais il a fait une blague à Laurent un jour. Pour rigoler, il a dit: ah, t'as vu, je suis attiré. Lol. Oula! Franchement, on peut dire merci pour la fête d'hier à Paul parce qu'il nous l'a trouvé. Merci Paul! Bon, alors attention là. On va encore la tête là. Je crois que c'est fini. Marche arrière. Ah ouais, c'est quoi ça? En fait, c'est un moment assez complet cette machine. On a fait 2 rides, on a fait le Rainbow et le Huli Gulli. Vous en avez pensé quoi, les gars? Bah écoute, pour mon premier Rainbow, moi j'ai trouvé qu'il était pas mal. Ouais, il était bien, il était intense. Et le Huli Gulli aussi, en vrai. Intense au début. Ouais. Ouh la Clem, il éternue. Regardez, on se balade sur ce parc. Est-ce que tu vas aller faire le dinosaure, gars? C'est Walligator, lol. On y passera. Voilà, on s'en passera. Et là maintenant on se dirige vers un pousse-pousse familial qui s'appelle le Crazy Fly, regardez, voilà. On va rider ça. Bon ben c'est l'heure du on fait ce qui est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il est midi et que les attractions ferment le temps que les gens mangent. Ouais. C'est oufissime. J'ai jamais vu ça dans un parc. Bon du coup on y reste le pousse-pousse accrédité ici. Là il y a une sorte de dark ride. Mais c'est ouvert seulement à Halloween. Eh ben, raté.
Donc il nous reste l'autre côté du parc à faire. Ça devrait que ça commence déjà. De quoi ? Alors Clem, il sait que j'ai déjà fait cette attraction. Hein, Clem, il sait que j'ai déjà fait cette attraction, mais je la ferai pas vu que je conduis après. C'était le rodéo là-bas que j'avais fait à Frépertuis. T'en as fait un à Frépertuis. Et j'ai tenu 1 minute 10 dessus. Ah, moi ça m'a niqué les muscles. Et je conduis derrière, donc non. Regardez, il y a le saloon. Ah mais Clem il l'a pas fait l'autre fois. Moi si le fait je le fais. Moi j'ai fait un elle loco sympa au moins. Regardez. C'est une tripole quand même, c'est vraiment. Là on est sur des couleurs à gauche, très proche de Walibi, mais c'est pas Walibi. Hein. L'orange comme ça. Par contre il y a du sable là. Le bateau a l'air d'être aussi en mode je mange. Donc je pense qu'on va se diriger. Ben, on va voir le tour du parc et on revient tout à l'heure voilà, pour le vlog. Regardez, il y a vraiment marqué les pauses déjeuner entre 12h30 et 13h. Alors il est 10h10, donc on va commencer par le frisbee là. Et ensuite on fera le flume, voilà. C'est parti. Allez c'est parti, le frisbee on ride à Magic Parkland. Regardez, on s'est pas trop fait avoir là. Par contre, j'espère que c'est pas nous qui allons nous faire mouiller cette fois-ci. Ouais, non, parce que sinon on risque de se faire mouiller nous aussi. Mais ouais, mais le truc c'est que justement là, ça va être chaud parce que si on se prend la vague, en général c'est les petites descentes qui mouillent plus que les grandes. Attention, c'est parti! Regardez, il y a un coaster là, il y a un petit crédit! Attendez, j'ai des toits. Et alors là, pour. Oh putain, la droite là!
Mais oui, regarde. Ouais. Ah, c'est que ça. Donc voilà, on a fait le flume et le frisbee. Frisbee bien intense avec des jets quand même. Ouais, quand même. Et le flume, ben, la particularité de celui-là, c'est qu'on peut se faire asperger d'eau en fait. Ça nous est pas arrivé, mais on a eu de la chance. Hein. Ouais, par contre, l'inverse. Ouais, là on a bien visité les trois nanas à côté parce qu'elles étaient mais littéralement mouillées, mais genre on aurait dit qu'elles étaient passées dans la machine à laver, c'est vous dire. Et là, du coup, ben, on a un train fantôme qui a l'air d'être fermé parce qu'il mange encore. Ah oui, pause déjeuner, midi 30, 13h. On reviendra le faire après. On va aller vers la tour, mais là les gens mangent là. Donc maintenant on est sur une tour qui a l'air d'être une SBF, hein. Un peu comme celle qu'on a à Walibi Sud-Ouest. Donc on part sur une tour familiale. Voilà. Bon voilà, on a fait cette tour. Il n'y aura pas d'on-ride, pourquoi Clem? La GoPro a encore fait des siennes. Elle n'a pas voulu s'allumer dans le ride. Bon, c'est pas grave, pour filmer ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas une perte. Hein. On va faire une vidéo coup de gueule spéciale GoPro. Ah ouais, ça m'énerve. Et là, ça pue en plus. Ici, ça pue. Je sais pas, c'est les relents du resto, ça pue. Donc là, on va revenir vers le bateau, le coaster d'en bas, le pouce-pouce, on va rider ça. Et après, il nous restera les deux rides qui sont ici, le train fantôme et l'autre coaster, et on aura terminé, voilà. Donc on va redescendre, vous voyez, sur ce pouce-pouce qui a ouvert, voilà, donc on y va. Allez, c'est parti, Crazy Fly on Ride. Et là, je fais chier Clem, là. Allez, je fais chier Clem. Allez, t'as loupé, là. Eh, Benji. Mais je peux plus, là. Je peux plus le faire chier, là. Allez, on se fait mouiller, là. Flo Flo, il pourrait, hein. Il a des grandes jambes. Sable, ça me va. Tant que c'est de l'eau. Clem se rapproche dangereusement. Ah, je peux pas. Je peux pas t'attraper, mec. C'est bien les pouces-pouces, tu peux faire chier l'autre, mais. Ah, je peux pas te toucher. J'ai les pieds pas loin, mais je peux pas te faire chier. Et oui. Ah, ça serait quand même se rapproche dangereusement de mes pieds. Ah, j'ai les pieds tendus là, j'attends juste de pouvoir te toucher et chercher. Derrière, hé, vas-y. Elle fait chier là. Ah merde, je comprends. Je peux pas le faire chier là. Ah ça y est.
Ça, je peux pas. Tiens, t'aurais pas dû te toucher là. Hey, ça dure longtemps, hein. C'est faux, hein. Ouais, ça y est, je vais le faire chier là. Je vais le faire chier là, ça y est. Ouais, je peux le faire chier là. On vient donc de faire un pouce-pouce. Et maintenant, c'est l'heure de créditer un peu quand même. On va aller voir si, si le coaster qui est là est ouvert maintenant. Il nous reste quoi à faire d'ailleurs ? Il reste le bateau pirate, le coaster, l'autre coaster et le train fantôme. Train fantôme, oui, 4. On est bon. Il nous reste 4 rides avant de partir du parc. Donc là, on va aller vers le coaster. Allez, c'est parti, le bateau pirate on ride. Bon, ça donne, hein. Allez, c'est parti. Elles ont peur. Des lambdas qui ont peur, les gens. On est reparti. Voilà, et des lambdas nous ont niqué la vidéo parce qu'ils ont peur. Alors qu'en Allemagne, il y a des gamins de 6 ans qui veulent faire des coasters genre Taron et ils sont trop petits pour les faire. Vous voyez la différence entre les pays. C'est vrai. Les gamins voulaient faire Baron à Efteling, ils avaient 6 ans et ils étaient trop petits par rapport à la taille. On est de retour en France. Bienvenue, ils ont des coronesses là-bas. Ouais. Bienvenue en France. Bienvenue en France, ouais. Ah, mais la mentalité. C'est pas très couillu ici. C'est ouf, hein. À noter qu'elles étaient au centre du bateau. Ouais, en plus. Mais en moyenne, les métiers, oui, je te demandais, je sais pas si on a un les métiers qu'en Allemagne, ils sont puissants par rapport. Ouais, ils sont plus puissants en général. Ouais. Regardez, on est dans un bateau pirate. Moi je dis, il y en a un, il faut qu'il se mette tout là-haut. Regarde, tout là-haut. Et quand même. Moi je dis, putain, que les forains, ils aiment bien tout ce qui est du chaud. Ah ouais, effectivement, ouais. Allez, c'est parti. Bien, on a fait quasiment tout le parc, mais il y a deux coasters qu'on n'a pas fait, lol. D'habitude, on commence par les coasters, c'est mais ouais, mais c'est qu'ils sont pas ouverts là. En même temps, c'est à cause de moi, je t'avais dû les faire des pattes au début aussi. Bah, ils sont fermés. C'est à cause de moi, mais ça a dû rouvrir même. Le coaster derrière, il doit être ouvert. Au pire, on ira à l'autre coaster. Oh, je pense qu'il coastera bien. Hein. Lève tes fesses, tu vas boire. Lève tes fesses, ça te fera un airplane. Ouais, mais attends, ça va monter encore. Ouais, c'est bien, mais bon, t'es déjà fait la pirate de bois, tu sais, le bain de terre dans la cage. Ouais, ouais. Moi, je m'amuse à ne pas tenir à la cage. Oh, à Barcarès, on a eu des nanas, hein, Clem. Dans le bateau pirate, elles avaient peur, elles étaient assises là. Et là, elle a failli faire un malaise. C'était mort de rire le ride. J'ai filmé en plus. Tu vas voir. Ouais. Vas-y, on lance un truc là. Ouais. On a gagné. Un tour gratuit, je suis. Ouais, le fait, mec. Un tour gratuit. Ouais.
La blague. Non, il suffit pas. Ouais. Elle crie trop là. Clem, on n'aura pas de tour gratuit, t'as déjà. Allez, Clem. Ouais. Ils suivent pas en face. Mais juste, ça suit à mort, tu sais, là. Ouais. Ben voilà, on a fait un bateau pirate sympa, quelques petits airtime en haut. Pas si intense que ça, mais un tour assez long. Et là, on va se diriger vers les coasters qui vont ouvrir petit à petit maintenant, après la pause déjeuner. Et vers le Dark Ride, voilà, on va vous montrer ce qui est ouvert. Allez, c'est parti, Strom on Ride. Bon ben voilà, on part de ce parc avec 2 crédits sur 3 malheureusement. Parce que le dernier coaster est fermé à cause du vent. Eh oui, d'ailleurs on va monter une super côte qu'on a montée avec la voiture là, c'était oufissime, regardez-moi cette côte immense. Donc là on va la descendre, et vous voyez le prix, c'était 15€, ouais, c'est marqué là-bas. Et donc là on va tranquillement aller sur notre Airbnb vers Antibes. On aura quand même passé une bonne matinée ici, et on va aller se baigner, allez. Et on vous dit à bientôt, quand vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, moi je vous dis à ce soir à Antibes, allez, salut.